Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la série en continuant vidéo comme tous les samedis, pour le coup, logique. Dernier épisode, on a enfin pu acheter le trigger de vente pour le BGA. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir se faire davantage d'argent et je vais pouvoir vous faire enfin aussi du nouveau, des nouvelles petites choses sur la partie. Là on va continuer, on va se diriger vers le champ de moisson parce que je crois qu'on l'est pas tout à fait terminé, donc on va vite fait finir ça un petit claquement de doigts. Et pourquoi après on va pouvoir rendre la machine parce que c'est une machine qui est louée et pour continuer aussi, donc dont le titre de la vidéo, enfin le titre de la série plutôt, on continue en vidéo. Donc pour le coup, pourquoi on continue la vidéo? Parce que c'est vrai que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de live sur cette partie, parce qu'au début, dans les débuts de la chaîne, par les débuts de la reprise de la chaîne, grosso merdo, je faisais un live, une vidéo, donc je faisais une partie, enfin j'avançais un peu en vidéo et puis je faisais le plus gros en live. Pour le coup, pourquoi ça a changé? Pourquoi ce n'est plus, pourquoi il n'y a plus de live dessus? Parce que tout simplement, au fur et à mesure du temps, il y a déjà il y a une team qui s'est mise en place, il y a du monde qui est arrivé de plus en plus. Et pour le coup, j'avais pas d'intérêt à avoir tout simplement du monde en multi sur cette partie-là, vu que en plus je possède le pack Anderson, quelque chose que les autres n'ont pas. Donc pour le coup, je ne peux pas les avoir sur la partie pour cette bonne et simple raison. Donc du coup voilà, alors voilà ce qui reste, donc je pense que ça va être très vite torché, parce que je crois que le bout en plus là-bas il est quasiment terminé, donc il reste vraiment pas grand chose. J'ai activé le joystick, oui il a activé le joystick, on met en route tout ce bordel. Donc pour le coup on va aussi regarder tant qu'on y est, donc désolé si ça coupe le son, c'est normal, c'est parce que j'ai fait un retour Windows, je vais juste oublier, c'est cet épisode là, oui c'est bien cet épisode là, non espèce d'abruti c'était pas ça. On va juste regarder les commentaires parce que sur cette vidéo là il y a beaucoup de commentaires, donc on va les lire dans quelques minutes, hein, bien sûr. Je vérifie juste qu'il n'y a pas eu de spam, donc j'aurais besoin de faire un retour Windows les amis, parce que tout simplement il y a eu 10 commentaires, donc tout ne tient pas sur la page, donc pour le coup je suis obligé de faire un petit retour Windows pour défiler un peu la page. C'est vrai que d'habitude j'utilise Batabat qui est juste devant mes yeux, donc ça me permet de lire en même temps que jouer, mais là pour le coup, vu que je viens d'emmener, pour ceux qui savent pas, le mercredi soir, Ingrid travaille 1h30, 2h environ, donc du coup, je viens d'arriver de l'avoir emmené au boulot, donc j'ai à peu près, grosso merdo, j'ai 3/4 d'heure tout juste pour tourner la vidéo, donc c'est juste le temps de la vidéo, et pour le coup, voilà, donc j'ai pas eu le temps de m'installer, j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, comme d'habitude, de toute façon, je fais toujours les vidéos au talent, je prépare rien, il n'y a pas de script, il n'y a rien, il n'y a pas de sketch prévu, c'est vraiment des choses qui se font, vraiment au feeling, je le fais comme je l'ai envie, je le tourne comme je l'ai envie, il n'y a rien de prévu à l'avance, à part évidemment ce qu'il y a à faire dans le jeu, autrement, voilà, il n'y a rien de fait, vous voyez, j'ai même pas pris le temps d'enlever mon pull, parce que, mine de rien, il fait quand même relativement lourd, et... Pour le coup, d'ailleurs, on va finir ce qu'il y a derrière parce que je vois que là c'est le dernier morceau, donc on va finir ce qu'il y a là d'ailleurs. Comme ça, on n'aura plus besoin de revenir. Ah oui, j'ai perdu ma souris. Comme ça, ça me permettra de revenir, de plus revenir dans ce coin là du champ. Et pour le coup, je crois qu'en dernier, ouais, j'étais arrivé juste à ce endroit là. Donc, du coup, voilà. J'espère que cette série vous continue quand même à vous plaire, les amis. Vous êtes assez nombreux à me regarder, vous êtes assez nombreux quand même à suivre cette série. Franchement, ça me fait plaisir. J'espère que. Par l'avenir on sera de plus en plus nombreux, parce que pour l'instant j'ai pas envie d'arrêter cette série. Ça serait bien que je la continue comme ça pendant un moment. Donc pour ceux qui ont remarqué dans la semaine, vous avez eu une nouvelle vidéo qui est apparue dans la semaine, donc un nouveau type de vidéo, un nouveau concept, enfin nouveau concept qui est sur YouTube, qui est pas nouveau concept, hein, c'est loin d'être un nouveau concept, des tutos tout le monde le fait. Donc oui c'est des petits tutos. Pourquoi je fais des petits tutos qu'il y a déjà sur YouTube? Donc, alors des tutos qu'il y a déjà sur YouTube, oui, mais des tutos qui étaient faits par mes soins, non, il n'y en a pas. Et pour le coup, pourquoi j'ai pris la décision de les faire? Parce que tout simplement, vous avez été quelques-uns à me poser certaines questions qui sont récurrentes, qui reviennent très souvent. Et voilà, j'ai préféré vous faire carrément un petit tuto à ce sujet-là. Ça vous permettra de répondre
que je réponde à vos questions, bien évidemment sur le sujet du tuto. Après, bien sûr, il y aura d'autres sujets, comme par exemple des trucs tout con, comment modifier une softgame, si je m'en souviens, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, je pourrais vous le faire quand même. Combien modifier la monnaie, par exemple, comment modifier certaines choses sur FS, par exemple. Comment dézipper un pack, avec quel logiciel, comment faire un pack de mode, comment le dézipper, comment le rezipper, tout simplement et dans les bons formats sans avoir un bug de format ou un fichier trop volumineux, beaucoup. Il y en aura plein d'autres aussi, comme par exemple comment j'utilise mon logiciel de stream et mon logiciel de vidéo, de montage vidéo aussi également. C'est des petites idées qui peuvent venir. Après, c'est possible que chaque semaine, vous n'avez pas forcément non plus. Vous n'avez pas forcément non plus toutes les semaines un tuto, hein, mais je vais essayer quand même. Mais bon, au bout d'un moment, je vais sécher, hein, j'aurai plus d'idées, c'est clair. Au moins que vous me donnez des idées, bah tiens, par exemple, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des petites idées que sur quelles questions je pourrais vous répondre, sur quelles questions que je pourrais faire, évidemment, dans la mesure du possible. Si vous me demandez de faire quelque chose que je ne connais pas, je vais essayer de me documenter, mais si je sens que je vais dire des bêtises ou que je vais mal faire la chose. Évidemment, c'est naturel que je le montrerai, enfin que je ferai pas tout simplement ce tuto, mais je vais essayer de le faire dans la mesure du possible. Donc, du coup, voilà les petites nouveautés qu'il y a sur la chaîne en ce moment. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le blog, le lien se trouve dans la description, sur les pages officielles également. Tous les liens se trouvent là, dans Instagram, Facebook et Twitter. Discord aussi, bien sûr. Discord, c'est là où je suis le plus actif, logique. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça serait, on vous accueillerait avec un grand grand plaisir. Et pour le coup aussi, n'hésitez pas aussi à partager, tant qu'à y être, n'hésitez pas à partager le contenu qui vous plaît, c'est le plus essentiel. Plus il y aura du partage, plus on sera nombreux. Pour ceux qui ne le savent pas, on en a discuté en live il n'y a pas si longtemps que ça, pour Noël, j'ai l'intention d'atteindre les 1000 abonnés. Donc pourquoi les atteindre d'ici Noël, pourquoi pas avant, pourquoi pas après? Parce que j'ai envie de. Voilà, ça me ferait un super cadeau de Noël, je pense. Ça me ferait un super cadeau de Noël, je pense. Carrément les passer les 1000 abonnés. Il y en a même plusieurs qui m'ont dit t'inquiète pas, tu les passeras largement tes 1000 abonnés, même très vite, même avant ça. Bon, c'est vrai que j'ai un petit doute quand même là-dessus. C'est vrai que c'est très ambitieux, mais j'ai envie de le faire. Voilà pourquoi j'ai envie de tester. Qui ne tente à rien n'a rien, on me l'a déjà dit souvent. Et pour le coup, bah, maintenant, c'est moi qui le dis. Qui ne tente à rien n'a rien. Donc si tu essayes pas, tu ne le sauras pas. Tout simplement. Donc du coup voilà, bon bah pour le coup on va commencer avec les commentaires. Alors pour le coup on va commencer avec Tony Max, hein, qui m'a fait coucou, bonne vidéo, pouce bleu, bah merci pour ton pouce bleu Tony Max. Bon, c'est vrai que sur cette série je vois tes commentaires assez souvent. Je pense que c'est cette série là où tu dois les regarder le. Enfin c'est cette série là que tu dois regarder le plus, hein, je pense. Donc c'est vraiment quelque chose de cool. Après je sais pas, je connais pas ton emploi du temps, donc si tu veux tu peux aussi nous rejoindre en live. N'hésite pas à consulter la rubrique à propos, il y a tous les plannings. Mais aussi il faut que je fasse des petits changements parce qu'il y a des petites nouveautés et pour ça il faut changer. Mais par contre les lives n'ont pas changé, donc c'est toujours le soir entre 20h et 20h45 maximum. Si au delà vous me voyez pas, c'est qu'il n'y en aura pas tout simplement. Mais normalement je mets un petit message sur Discord pour dire que bah voilà, je peux pas, je suis pas là tout simplement. On va continuer avec Chelsea qui me fait, moi j'aime bien ça, ça rend bien. Bah merci Chelsea, ça fait plaisir, en plus un like, merci. Et puis tu me fais ok merci, ouais des fois c'est ouais, bon c'est pas grave. Et du coup on va continuer avec Gab qui m'a fait plus un gros like. Bah merci pour ton like, ça fait super plaisir, mon petit gabounet, ça fait super plaisir, hein, franchement je vous aime trop les amis, vous êtes super, vous me soutenez à mort, c'est juste génial, je peux pas arriver mieux. Après on va continuer avec Nolan qui me fait super intro et la vidéo aussi, bonne continuation. Bah merci pour ton petit commentaire, ça fait super plaisir. Bah tant mieux si les petites améliorations que j'ai apportées aux vidéos vous plaisent, hein, franchement ça me fait super plaisir. Du coup on va continuer avec Kimi. Donc qui m'a fait coucou GG, super vidéo comme d'habitude, et un like de ma part, bah merci. Merci Kimi, ça fait très très plaisir. Donc on va continuer avec Thomas Multigaming qui me fait je kiffe ton intro, pourrais-tu m'en faire une sinon super vidéo. Alors, donc du coup, depuis la dernière fois on s'est parlé Thomas, donc je pense que j'ai pas besoin de répondre à ton commentaire. Donc pour le coup voilà, c'est pour ça que les commentaires je les lis en vidéo. Donc généralement je vous réponds. À la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo, donc pour le coup, soit vous attendez la prochaine vidéo de la série qui sort, donc du coup, normalement, je vous réponds à vos commentaires sur cette série-là, ou alors vous me larguez par un commentaire de ce style directement sur la vidéo, vous me,
vous m'en mettez, vous m'envoyez un message sur Discord ou de préférence en MP. Ce genre de message-là, je les préfère en message privé parce que tout simplement, j'ai pas trop envie qu'on me le demande trop souvent non plus. Parce que déjà, mes intros, voilà, c'est ma petite signature. Il n'y a que moi qui ai fait des comme ça. Et pour le coup, voilà. Donc du coup, on va continuer avec Maréchal et aller. Et allez, encore un fail, continue comme ça, je kiffe tes vidéos, super super petit déj. Bah, bon appétit à toi, pour le coup, si tu regardes encore cette vidéo-là le matin pendant ton petit déj. Et bah oui, encore un fail, hein, évidemment, une GG boulette, il n'y a pas de boulette sans GG. Donc voilà, on va continuer avec Francis Moitié, que tiens, ça fait... c'est la première fois, je crois, que tu me laisses un petit commentaire. Ah, donc tu fais bonjour, j'ai 61 ans. Je te suis depuis un bon moment et je me suis inscrit sur ton Discord. Mais dans le règlement, j'ai un petit panneau interdit quand je veux cliquer sur le petit œil pour valider le règlement. Peux-tu me dire pourquoi il y a et plus un like. Alors non, normalement c'est pas normal. Normalement, tu dois pouvoir cliquer sur la réaction. Après, c'est normal que tu puisses pas écrire. Ça, c'est normal, vous pouvez pas écrire, c'est tout à fait normal. C'est peut-être pour ça, je pense, que t'as dû mal comprendre, en fait, le règlement, enfin, ce qui est écrit dans le règlement. Tout simplement parce que vous pouvez pas écrire dans ce salon, c'est normal, c'est parce qu'il y a que moi qui peux le faire. Autrement, tout le monde pourrait modifier le salon, et enfin, tout le monde pourrait modifier le règlement, et ça, il en est strictement hors de question. Donc, du coup, c'est pour ça que vous pouvez pas écrire, mais par contre, vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir aux différents textes qui est écrit dans le règlement. Et pour le coup, vous avez la petite réaction. Normalement, vous pouvez réagir, vous pouvez juste cliquer dessus. Et après, c'est vrai que autrement, si vous ne pouvez pas cliquer dessus, c'est pas normal. Donc, je vous invite à m'envoyer un message privé pour me signaler le problème et que je me dépêcherai d'essayer de régler rapidement. Donc voilà, c'était le dernier commentaire donc avec Francis. Donc merci pour tous vos commentaires, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. Franchement. Vous me donnez vraiment envie de continuer, même si dernièrement, là, on a eu encore une Demolition Man avec YouTube. On avait atteint pratiquement les 600, à 9 abonnés près, on était aux 600. Et bon, bah, il y a eu un strike avec YouTube, j'en ai eu 20 dans la gueule d'un coup. Bon, bah, c'est pas grave, j'espère qu'on va continuer à remonter en abonnés comme ça, j'espère qu'on va revenir, j'espère qu'on va dépasser les 600 très rapidement, je le souhaite. Alors, je pense que il y en a quelques-uns qui se sont peut-être posé la question, tiens, c'est bizarre, maintenant ils ne donnent plus d'objectif d'abonnés, c'est pour les lives, bon. Alors, tout simplement, je vais vous y répondre, pourquoi? Parce que tout simplement, les lives abo, c'est prévu à partir du moment que l'objectif abo, c'est à condition que le dernier live abo a été fait. Là pour le coup, le dernier live abo que vous avez promis, il n'a pas été encore fait. Donc c'est pour ça que il est prêt. Il n'y a plus qu'à prévoir une date. Donc je ferai ça pendant les vacances de la Toussaint. Je ferai ça pendant les vacances de la Toussaint. Donc du coup, pendant les vacances d'octobre, pour ceux qui n'ont pas trop compris. Donc vous inquiétez pas, ça sera fait. Donc je vous dirais, normalement ça sera un samedi, donc ça sera soit le premier samedi, soit le deuxième samedi, parce que vous n'avez que 15 jours normalement, si je dis pas de bêtises. Bon, peut-être certains n'auront qu'une semaine, bon c'est pas grave, je vais essayer de m'arranger comme je peux. Donc pour le coup, vous aurez pendant les vacances, donc comme la dernière fois, pour ceux qui le savent pas, il y a un petit concours qui est prévu, donc pour le coup, un concours de moissons. Un concours de moissons qui est prévu, donc il faudrait qu'on soit au moins minimum 4 abonnés. Il faudrait que vous soyez au moins 4 abonnés à nous rejoindre en partie. Donc comment nous rejoindre en partie, c'est très simple. Vous avez juste à nous rejoindre sur Discord. Le lien se trouve dans la description. Une fois que vous avez rejoint le Discord, il vous suffira juste de lire le règlement très attentivement. Une fois que vous avez lu le règlement très attentivement, bah, tout simplement... vous avez juste à cliquer sur la réaction que je vous parlais il y a quelques instants pour valider le règlement et à partir de ce moment là vous avez accès à tous les salons, parce qu'autrement si vous cliquez pas sur la réaction, tout simplement vous avez accès à absolument rien à part le règlement sur le Discord. Après ce qui va se passer ensuite, c'est que pour le live abo, généralement entre 24 et 48 heures avant le live, avant le jour J, je vous laisse un lien, enfin je vous envoie un lien dans la catégorie, si je dis pas de bêtises, mode live abo, donc dans l'espace abo. Dans ce salon-là, c'est des liens de mode qui sont inscrits, donc évidemment qui sont valides
juste qui sont valides de la date d'apparition jusqu'à le live, jusqu'à la fin du live. Si après la fin du live, si vous voulez télécharger les mods, ça ne marchera pas parce que tout simplement j'aurais supprimé le lien, donc vous ne pourrez plus télécharger les mods. Pour le coup, donc une fois tout simplement une fois que vous avez arrivé dans ce salon-là, vous cliquez sur le lien qui vous emmène sur Mega, vous téléchargez tous les mods. Faites attention de télécharger tous les mods et de toucher à rien de plus, donc ne pas faire de mise à jour, ne rien faire de plus, parce que autrement vous allez avoir des problèmes de compatibilité pour arriver sur la partie. Vous allez vous retrouver avec un mode qui n'est pas bon de la bonne version, et pour le coup vous ne pourrez pas rejoindre. Donc c'est très important. Après ensuite pour le jour J. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous y inviterai, bien sûr, je le dirai pendant le live. Je vous inviterai, donc je vous dirai de me rejoindre en vocal. Donc, vous aurez à vous pointer dans le général vocal. Après, on vous basculera dans le bon salon, dans le salon de live abonné. Et pour le coup, après, en message privé, je vous emmènerai un message privé pour vous donner le mot de passe, plus le nom de la partie pour trouver la partie et bien sûr pouvoir rentrer sur la partie tout simplement. Et après, il n'y aura plus qu'à jouer, tout simplement. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas pour ça. Et pour ceux qui se demandent si j'ai reçu mon volant, je sais pas. Parce que là, on est samedi. Pour moi, on est mercredi soir à 20h08. Pour vous, on est samedi matin à 4h. Enfin, dans les alentours de 4h, 4h et peut-être un quart d'heure, hein, pour ceux qui la regardent dès la sortie. Ah merde, je suis parti trop loin, quel con. Pour ceux qui la regardent après la partie. Enfin, tout de suite à la sortie, pardon. Pour l'instant je sais pas, donc normalement je l'ai peut-être reçu, normalement je devrais le recevoir le samedi, et logiquement je devrais le recevoir samedi, donc pour vous aujourd'hui mon volant, d'après ce qu'ils disent c'est la date butoir, donc après aujourd'hui c'est pas normal que je le reçois pas, donc j'espère que je l'aurai reçu avant, donc vous inquiétez pas, normalement, alors si je l'ai reçu, vous aurez dû avoir une vidéo avec évidemment écrit mon volant Logitech G29 ou vidéo unboxing ou un truc dans ce style-là. Je sais pas encore comment je vais appeler cette série-là. Parce que unboxing, voilà, c'est déjà utilisé. J'ai pas envie d'utiliser. J'ai envie d'utiliser un petit truc un peu à ma sauce. Donc pourquoi pas une box ou je sais pas. On verra bien. On verra bien comment je vais tourner mon bordel. Et pour le coup. Et pour le coup, si vous n'avez pas eu la vidéo, c'est que tout simplement, j'ai pas encore reçu mon volant. Donc, vous l'aurez sûrement dans la journée aujourd'hui, ou vous l'aurez tout simplement quand je l'aurai, quoi. Voilà. Donc, évidemment, si je ne le reçois pas aujourd'hui, avant fermeture des bureaux, j'enverrai un petit message de réclamation à l'entreprise que j'ai acheté le volant. Pour dire que voilà, moi j'ai acheté un volant, vous m'avez dit que je le recevrais à date butoir le 12, on est le 12 au soir, les bureaux sont les services de transport sont fermés. Je crois que vous foutez un peu de ma gueule. Voilà, tout simplement. Mais bon, après, comme a priori ça serait la poste qui me livre, a priori ça serait fort possible. Enfin merde. Ah! Ça serait fort possible que je me fasse savoir et que je l'ai pas samedi, que je l'ai même plus tard, que je l'ai lundi ou mardi qui mardi prochain. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'avec avec la poste, on sait jamais. Ça arrive très souvent qu'il y ait des retards sur les arrivées de colis, donc sur les arrivées de courrier aussi, surtout en ce moment. Donc j'en ai déjà parlé, voilà, je vais pas reparler de ça. Donc du coup voilà. Aussi on va en parler aussi sur les formats de vidéo, parce que c'est vrai qu'on m'a fait la remarque. Oui, c'est bien que a priori vous aimez beaucoup le fait de la façon que je travaille, la façon que je travaille mes vidéos, mais pour le coup c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps à travailler, et pour le coup c'est pour ça que je vais peut-être réduire un tout petit peu encore les durées des vidéos. Donc au lieu de 30 minutes, ça va descendre peut-être à 25, 20, je vais dans les alentours de entre 20 et 25 minutes, je pense. Ça sera idéal pour tout le monde, ça sera pas trop long, ça sera pas trop chiant. Pour moi, ça va me faire permettre de gagner du temps, donc je vais pouvoir travailler plus sur tous les contenus qui arrivent sur la chaîne. Je vais pouvoir vous faire plus de choses. Donc pour ceux qui le savent maintenant, depuis jeudi dernier, vous avez une vidéo, ça y est, enfin, vous avez une vidéo 7 jours sur 7 dans la semaine, en plus des lives. Donc du coup, ça va me permettre de pouvoir tourner toutes les vidéos de la semaine, les unes après les autres, tranquillement. Sans à me retrouver avec par exemple un montage qui me prend toute une après-midi, parce que voilà, c'est la vidéo elle est trop longue et que ça me prend trop de temps, beaucoup trop de temps à travailler. Après, je pense que c'est très simple, il me suffirait peut-être de faire un petit timelapse pour certaines choses,
un petit timeline pour certaines choses. Comme par exemple, là, pour travailler les champs, on va pas tout faire en un épisode. Il y a un épisode, on va travailler une culture. Un épisode suivant, on va faire une mission. L'épisode d'après, on va refaire les cultures. Comme ça, au fur et à mesure, pour avoir tout simplement pas plusieurs épisodes d'affilée de par exemple de déchômage ou de labourage. Ça vous permettra aussi de moins vous lasser, de trouver ça un peu moins chiant pour le coup. Mais oui, si ça trouve, après c'est le pari pour moi, c'est de pouvoir atteindre tout ça en 20 minutes. Et ça, franchement, ça risque d'être très 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 chaud. Donc pour le coup, on est déjà à 20 minutes que je vous parle. Ça fait déjà 20 minutes, donc je vais attendre à peu près 20-25 minutes, grosso merdo, dans ces eaux-là. Donc je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui 20-25 minutes, voir ce que ça fait. Et puis de toute façon, ça sera dans ces temps-là, maximum. Donc c'est 20, entre 20 et 25 minutes. Donc là, je commence la première limite. Donc là, je vais attendre la deuxième limite, hein, tout simplement, pour vous faire les vidéos habituelles. Alors normalement, c'est ça que je dois enlever. Ça aussi. Et puis c'est ça que je dois changer. Merde. Non. C'est ça qui m'a fait super peur la dernière fois parce que tout simplement, ça, j'avais pas fait gaffe que ça nous ramenait en haut de la liste et j'ai cru qu'en fait qu'il m'avait quand même tout réinitialisé cet enfoiré. J'ai eu vraiment très peur. Alors pour le coup, on va essayer de retrouver l'axe que je cherchais, les axes que je cherchais et je crois que si en fait il me les a réellement réinitialisés. Si, si, il me les a réellement réinitialisés. Quoique, non. Non, 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 c'est juste moi qui ai fumé. C'est juste moi qui ai fumé, c'est normal. GG, tu fais du. Merde, putain de fou. GG, tu fais du n'importe nawak. Oh, hop. Voilà. Très bien comme ça, mon ami. Donc, on démarre la machine. Hop, on va les vendre un peu plus. Donc, évidemment, quand on avancera à une certaine date, on aura plus d'argent. Donc, au fur et à mesure, je vais balancer de temps en temps quelques godets dans la machine. Donc, pour finir l'épisode tranquillement avec vous, on va finir ça. On va faire ça. Évidemment, avant de faire un prochain chantier d'ensilage, évidemment, on va essayer de faire. C'est quoi ce bordel là? Oh, j'ai encore un conflit de. Putain, j'ai encore un conflit de manette. Ah oui, normal. Bon, c'est encore inversé, mais c'est pas grave. Au moins. Hop. Ça fera l'affaire. Le temps de finir l'épisode. Donc, on va finir ça tranquillement. Donc, du coup, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. À vous abonner tout simplement sans oublier la petite cloche, normalement ça devrait s'afficher quelque part sur la vidéo et bien sûr bien entendu avec le petit pouce bleu qui va avec, ça fait super plaisir comme d'habitude et puis on se retrouve très vite en live ou en vidéo et puis moi je vous dis je vous aime et à plus. Let's dance, cause tonight we're